Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane. Vous rappelez que je vous avais fait un tuto sur les pierres de forge de niveau 1. Je vous rappelle d'ailleurs hein, qu'elles ont des niveaux. Dans votre onglet, vous avez 1, 2, 3, 4, etc. Vous avez vu, j'ai plus de 3, j'ai tout utilisé, j'en suis là. Et vous voyez que j'ai 17 pierres de forge niveau 4, c'est pas pour rien, puisqu'en fait j'ai trouvé un endroit pour les pierres de forge niveau 4. Donc je vous le partage et j'en trouve pour les autres, hein, je vous dirai. Et donc, eh bien, on se retrouve au niveau de la chapelle de Bellum. Donc on est en fait au nord de l'académie. Hein, juste après l'académie, et on est du coup sur le deuxième point. Et partant de là, en fait, on va partir sur la gauche pour pouvoir en fait descendre. Notre objectif, ça va être d'aller tout au bout de la zone du coup de l'espèce de rivière. Finalement, ça se transforme en rivière à ce niveau-là. Vous allez juste aller tout droit là-bas, et vous allez normalement atteindre du coup la zone où il y a à nouveau des mineurs, comme on avait dans la première vidéo sur les pierres de forge. Sauf que cette fois-ci, les pierres de forge niveau 4. Donc c'est assez intéressant. Alors attention, si vous progressez davantage dans cette zone, il va y avoir quelques surprises, notamment des harpies, etc. Mais normalement ça se fait bien. J'ai fait toute la zone hier et vraiment ça valait le coup. Et qui plus est, petit bonus, c'est également le raccourci si vous voulez rejoindre le plateau Altus sans avoir à prendre l'ascenseur de Dectus. Donc voilà la réponse de par où on peut passer pour aller sur le plateau sans avoir à prendre l'ascenseur. C'est également cet endroit-ci. Donc voilà pour vos petites pierres de forge niveau 4. J'espère que ça vous permettra de bien améliorer vos armes. Je vous souhaite un bon jeu et on se dit à très vite.